Au sommaire, Grand Cru Schlossberg, le domaine Paul Blanc, un petit objet très pratique et pour finir mon coup de cœur, un très joli pinot noir. Et on commence donc avec le Schlossberg. Oui, ce grand cru qui s'étale sur 80 hectares, donc c'est un grand cru. Il est sur la commune de Kingsheim. C'est un vignoble de coteaux aménagé en terrasse, terroir granitique. Mais là aussi, une particularité, c'est d'avoir une très belle richesse minérale. Phosphore, fluor, magnésium, potassium. Et ça va apporter de la finesse et une richesse aromatique au vin du Schlossberg. Et vous avez toujours une petite anecdote sur ce domaine. Oui, alors l'anecdote, c'est que le vigneron de Kingsheim, Paul Blanc, qui siégeait à Lienau, a lutté sans cesse pour faire des grands crus d'Alsace. Donc les vignerons bourguignons ont accepté à la seule condition que le pinot noir soit retiré des cépages des grands crus d'Alsace. Et le Schlossberg, puisqu'on parlait du Schlossberg, a été le premier grand cru classé en Alsace en 1975. Alors vous allez me dire pourquoi le Schlossberg? Tout simplement, c'est que les vignerons de Kingsheim, dès 1928, donc ça ne date pas d'hier, avaient déjà érigé une charte commune, où tous les vignerons adhéraient, une charte de qualité très rigoureuse. Donc ça paraissait très logique que le Schlossberg soit le premier classé en grand cru en 1975. Autre particularité de ce grand cru? Deux en fait. La première particularité, c'est quand il a été classé en 1975, la surface était supérieure à 80 hectares. Et en fait, ils ont enlevé de la délimitation géographique du grand cru le bas de coteau. Donc il est plus petit qu'à l'origine. Déjà, c'est une première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'il n'est pas d'un seul tenant. Il y a des zones du coteau qui ne sont pas classées en Schlossberg. Habituellement, c'est une seule zone. Autre particularité, ce... Alors, ce n'est pas une particularité, mais c'est plutôt les vins. Mm-hmm. Alors, les vins du Schlossberg, ils sont réputés pour leur minéralité, leur finesse, leur élégance. Évidemment, le maître des lieux, c'est le Riesling. Il est vraiment en osmose avec ce terroir complètement exceptionnel. On trouve aussi, par contre, certains pinots gris et Gewürztraminer. Un peu atypique côté Gewürztraminer, c'est des Gewürztraminer tout en élégance, en légèreté et même avec des petites notes de paprika. Il a fallu sélectionner un domaine parmi tous ces trésors. Alors le domaine, c'est le domaine Paul Blanc. On a rencontré Philippe Blanc, un vigneron passionné, très sympathique. On regarde. J'avais 6 ans. On était avec ma grand-mère dans les vignes à l'Angélus le matin, avec ce soleil qui se lève. C'était une mémoire extraordinaire. J'ai encore une photo, je me vois béat. Voilà, un gamin heureux. Je crois que c'est ça qui m'a, celle qui m'a inspiré. On est sur des sols granitiques. C'est le premier grand cru classé en Alsace. Et on a aussi des terrasses qui sont magnifiques, que vous voyez là. Ils sont un peu partout. Ils font partie d'un patrimoine intemporel. On va dire que c'est une union heureuse entre le Riesling et le granit. C'est pas le cépage en lui-même, mais c'est la vibration du Riesling avec cette vibration granitique qui fonctionne bien ensemble. Disons, principalement, c'est tout ce qui est autour des produits de la mer, mais les huîtres, c'est magnifique. C'est un accord nuptial. Carrément, nuptial. Vous avez un objet très étrange qui intrigue tout le monde sur ce plateau, Valérie. Auriez-vous une idée, mesdames? Mathieu? C'est votre roller qui a perdu une roue. Ah, c'est peut-être pour bien couper la capsule, en fait. Non, alors ce n'est pas un coupe-capsule. D'accord. Alors en fait, c'est tout simplement pour ouvrir les bouteilles de champagne et de crémant. Parce que Coco, je sais qu'elle est amatrice de crémant. Oui, tout à fait. Donc en fait, vous ouvrez votre bouteille de champagne ou de crémant, peu importe, jusqu'au bouchon. Donc vous enlevez la plaque à museler et le muselet. Donc vous mettez le bouchon à nu. Le bouchon à nu, ils sont standards, c'est le même diamètre. Ils ont toujours 4 fentes. Donc vous mettez petites fentes. Vous mettez cette petite rondelle sur le bouchon et vous avez juste à tourner. Et c'est magique, ça s'ouvre instantanément. Je l'ai testé, parce que c'était un objet que je connaissais pas. Pourquoi pas en direct? Et ça, parce que, on sait parce jamais. Parce que ça rate, on pense en direct. Évidemment, et c'est magique. Petit objet très pratique. Alors évidemment, tenez-le plutôt comme ça, parce qu'il y a quand même de la pression et l'objet et le bouchon peuvent partir en même temps. Donc évitez de le tenir comme ça. Voilà, petit objet. C'est noté, étonnant, jamais vu. Je suis scotché. Votre coup de cœur de la semaine, Valérie, sur lequel lorgne notre invité depuis tout à l'heure. Exactement. Alors, mon coup de cœur de la semaine, cette fois-ci, on reste en Alsace, mais pas pour un vin blanc, pour un vin rouge. Il s'agit d'un vin rouge, c'est un pinot noir, en rouge d'Autrotte, en AOP rouge d'Autrotte. La maison, c'est Vonville, la cuvée, c'est Stéphane.
Ensuite, on est sur un millésime 2016. Il va présenter une robe rubis étincelante. Le nez est très expressif et très concentré sur des notes de fruits noirs, d'épices, sur des notes de cacao, de fleurs comme la rose et la pivoine. En bouche, il tient toutes ses promesses. Il peut revendiquer sa place parmi les très belles cuvées, notamment de Bourgogne, parce que nous sommes également sur un pinot noir. En bouche, c'est concentré, c'est complexe, c'est élégant, c'est fin. La trame tannique est très élégante, une très belle longueur en bouche. Vraiment un vin de ceux qui vous transportent, on ne sait même pas l'origine, tellement qu'il est bien. C'est un très joli vin rouge, un très joli pinot noir, maison Vonville. C'est bien noté. Merci beaucoup, Valérie. Elle le vend bien, hein, ouais. Dis donc, à consommer, évidemment, comme toujours, avec modération. Merci beaucoup, Valérie. On vous retrouve jeudi prochain, évidemment, et toutes les infos sur le site apicurien.fr.